Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la vidéo formation sur les tableaux croisés dynamiques concernant les différents calculs. Ici, comme vous pouvez voir, donc dans mon tableau, nous avons la somme des salaires. Si je veux connaître le nombre de personnes gagnant ces salaires, donc par exemple savoir s'il y a une femme pour 27 000 euros, pour les 126 500, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 hommes, soit je dois aller voir dans la feuille 1 et je dois chercher, soit on a vu qu'en double-cliquant, je pouvais avoir ici certaines informations. Et ce que je peux faire aussi, je peux me rendre ici dans somme de salaire, faire un clic gauche et aller sur paramètres des champs de valeur. Vous voyez que je suis dans somme de salaire, mais j'ai la possibilité d'avoir soit la somme, le nombre, la moyenne, le max, le min, le produit, chiffre, écart type personnalisé, variable personnalisée. Donc ici, on va dire que c'est un nombre. Si je fais OK, je vois automatiquement, du coup, qu'il y avait bien effectivement une femme pour le salaire de 27 000 euros, mais qu'il y avait quatre hommes pour les 126 500. Et je peux repasser à nouveau à somme, de l'un à l'autre. C'est bien, mais ce n'est pas très pratique. Si je souhaite avoir les deux informations à la fois, donc avoir dans une colonne le montant total, dans une autre colonne, avoir le nombre. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une deuxième fois le champ salaire. Donc, je fais un clic gauche, je maintiens et je fais un glisser, déposer. Et j'ai donc cette fois-ci dans mon tableau une colonne somme de salaire, somme de salaire 2, somme de salaire 2, et un total, somme de salaire et somme de salaire 2. Et maintenant, je peux très bien sur somme de salaire 2 cliquer paramètres des champs et mettre nombre. Je vais en profiter aussi pour modifier ici et non pas mettre nombre de salaire 2 mais nombre de salaire. Et voilà. Et si je souhaite avoir ici en euros, il me suffit simplement d'aller dans somme de salaire, cliquer sur paramètres des champs, de choisir le format. Et de lui dire c'est du monétaire avec aucune décimale. Voilà. Voilà comment je peux avoir les deux informations en simultané. Autre calcul aussi possible dans un tableau croisé dynamique, si je veux savoir certaines informations, donc je vais aller sur nombre de salaires, paramètres des champs, donc vous avez vu qu'il y avait somme, nombre, moyenne, etc. C'était dans l'onglet synthèse des valeurs par, mais j'ai aussi affiché les valeurs. Ici c'est marqué aucun calcul, mais je peux très bien faire un calcul pourcentage du total général. Et ainsi je sais que j'ai 33,33% de femmes, 66, pardon, 67% d'hommes, et je peux voir que les administrateurs femmes, c'est 6,67 par rapport au total, etc. Et j'ai ainsi, si l'on regarde, plusieurs moyens d'avoir des calculs plus ou moins complexes. Donc il y avait le pourcentage du total général, pourcentage du total de la colonne, pourcentage du total de la ligne, pourcentage de, pourcentage du total de la ligne parente, de la colonne parente, du total du parent, différence par rapport, différence en pourcentage par rapport, résultat cumulé, pourcentage résultat cumulé dans, rang du plus petit au plus grand, le rang du plus grand au plus petit ou la fonction index. Si je veux revenir à ma fonction qui était donc nombre, il suffit simplement de sélectionner aucun calcul. Et je reviens à ce que j'étais. Autre possibilité de calcul, donc dans l'onglet options de outils de tableau croisé dynamique, j'ai ici champ, éléments et jeux.
Donc je clique dessus et je peux faire un champ calculé, lui mettre un nom. Donc, par exemple, augmentation. Et je vais faire le salaire, un calcul simple. Donc le salaire, j'enlève ici le 0. Voilà. Le salaire multiplié par 1,02. Et je fais OK. Et automatiquement, vous voyez que j'ai ici somme de augmentation avec le calcul effectué de ma formule. Si j'ai fait une erreur, que je me suis trompé, que ce n'était pas 1,02, mais que c'est 1,015. Dans ce cas-là, je peux aller dans champ éléments et jeux, champ calculé. Et ici avec la flèche, je vais resélectionner le champ augmentation et changer le 1,02 en 1,015. Je fais OK. Et vous voyez qu'automatiquement, il a modifié le calcul. Par contre, je vous ferai remarquer ici, j'ai bien le résultat, mais je n'ai pas dans la barre de formule la formule de calcul. Donc, si j'ai plusieurs formules de calcul et que je souhaite les voir, il y a possibilité d'aller dans champ éléments et jeux, toujours de l'onglet options d'outils de tableau croisé dynamique, et de regarder la liste des formules. Et ici, je retrouve ma formule. Comme vous pouvez voir, il a à nouveau créé une nouvelle feuille. Ce qui peut être bien pour archiver ou imprimer afin d'avoir l'évolution des fois d'une constante qui a évolué dans le temps. Autre possibilité aussi qui peut être des fois intéressant, c'est de copier mon tableau afin d'avoir deux tableaux avec des informations différentes. Donc ici, j'ai le nombre de salaires. Si je souhaite, je peux l'enlever. Voilà. Et si je veux avoir ce tableau avec nombre de salaires, donc ce que je vais faire, c'est que je peux très bien sélectionner mon tableau croisé dynamique, le copier et me mettre en dessous et le coller. Et j'ai le même tableau croisé dynamique qu'au-dessus. Et j'ai la possibilité ici donc, par exemple, d'enlever la somme des salaires. Voilà. Et de modifier somme des salaires en nombre. Par contre. Voilà. Et ici, de modifier que nombre de salaires, le format, c'est pas un format de nom, mais un format standard. Voilà. Et ainsi, je peux avoir deux tableaux croisés dynamiques, l'un en dessous de l'autre, avec des informations qui émanent du même tableau, de la même source, de la feuille 1, mais avec des données différentes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur les tableaux croisés dynamiques.